Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et débriefing de ce Grand Prix d'Australie 2024, qui, ma foi, a été pour une fois plutôt intéressant. Mais on va vite calmer nos ardeurs puisque ce n'est pas parce que il y a eu l'abandon de Verstappen que forcément la course a été exceptionnelle. Peut-être se calmer 2 minutes là-dessus. Donc, un Grand Prix qui a vu la victoire de Carlos Sainz devant son coéquipier Charles Leclerc et qui fait donc un doublé Ferrari, le premier depuis 2022. Et encore une fois, c'est Sainz qui met un terme à la série de victoires de Verstappen. Alors, on va directement commencer avec Red Bull. Red Bull qui avait une voiture qui semblait un peu plus en difficulté en termes de facilité pour les pilotes, surtout Verstappen, on parlera de Perez après, sur ce circuit. On savait que c'était pas la piste où ils allaient être le plus en forme. Cependant, je ne m'attendais pas forcément à voir autant de problèmes pour Verstappen durant le week-end. Ça avait été réglé, et là c'est la fiabilité malheureusement qui intervient et qui met fin à la course du pilote néerlandais, qui est parti en pole, a fait une très jolie pole, hein, plus de 2 dixièmes d'écart si je dis pas de bêtises par rapport au second. Et donc une course à oublier, ça arrive. Je pense que ça va juste renforcer la volonté pour Verstappen d'aligner encore les victoires après ce Grand Prix de Melbourne. Son coéquipier, Pérez, comme d'habitude, à la rue, complètement. Alors certes, il prend une pénalité en qualification qui l'éloigne de la deuxième place du départ, qui aurait pu fortement l'aider, puisqu'avec l'abandon de Verstappen, c'était lui qui était de premier. Mais malgré ça, il a remonté légèrement hein, au fur et à mesure, mais il finit quand même à 29 secondes. Non, pardon, même pas 29 secondes, 56 secondes de Sainz, c'est énorme. Certains pilotes en plus ont eu des problèmes au stand. On reparlera aussi du Virtual Safety Car hein, qui a donné l'opportunité à certains pilotes de remonter. Mais Perez, bah, ça va toujours pas. Toujours en deçà de son coéquipier, que ce soit en qualif ou en course. Vivement la fin d'année, hein. Il y en a qui vont le remplacer, il y en a qui doivent attendre de pied ferme, qui se retrouvent un petit peu à la rue. Alors, il n'est pas encore en état d'être mis à la porte, puisqu'il fait quand même des performances très moyennes, mais c'est pas pire que l'année dernière à un moment de la saison. Par contre, pour ce qui est de l'écurie Red Bull, bah, tout est à refaire, hein, puisque aucune voiture ne finit sur le podium, puisque Sergio Pérez finit 5e. On va passer ensuite à l'équipe Ferrari qui, elle, bah, carton plein, hein, on l'a vu. Doublé Ferrari avec Sainz devant Leclerc. Sainz qui passe de la case appendicite à la case je gagne un grand prix. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Il a été exceptionnel, Sainz. Alors, il profite de la mésaventure de Verstappen qui, je pense, à la régulière, aurait remporté la course. La Red Bull étant quand même plus rapide et au niveau de la gestion des gommes, potentiellement meilleure que la Ferrari. Mais quand même, Sainz est resté devant son coéquipier Leclerc. Leclerc qui finit pas loin en soi, hein, il finit qu'à 2 secondes. Mais à quasiment aucun moment de la course, n'a pu aller aussi vite que lui. Et n'a montré qu'il pouvait être en position de le dépasser pour prendre la victoire. Et Sainz, c'est celui qui va partir de chez Ferrari, ce n'est pas Leclerc. Du coup, est-ce que Leclerc doit pas s'inquiéter un petit peu pour l'année suivante, même si certes il n'aura plus Sainz, mais il va avoir Hamilton. On va parler d'Hamilton après. Voilà, donc belle deuxième place quand même pour Leclerc. On va pas chercher la soupe, la course était correcte, était plutôt bonne, mais on a un équipier qui brille à chaque fois, qui prend les victoires et c'est pas lui. Donc pour Ferrari, en tout cas, carton plein, on l'a déjà dit. Bravo à eux, ça va être différent le reste de la saison. Enfin, je pense que ça apparaît tous les jours en abandon de Verstappen, donc à suivre, mais en tout cas, bravo. C'est d'ailleurs Leclerc qui est pour le meilleur tour en piste durant le Grand Prix. Ce qui fait que Ferrari a fait le plus grand nombre de points possible. On passe à Mercedes. Alors Mercedes, c'est de pire en pire. Ça s'enfonce au niveau de la performance brute, hein, puisque le pilote anglais Russell, qui avait tendance à surnager un petit peu avec cette voiture, pas réussi à faire grand chose. On se bat avec Alonso pour une 8e place. L'accident de fin de Russell, alors on l'a vu, hein, Alonso va prendre 20 secondes pour avoir, je crois, trop ralenti, si j'ai pas de bêtises, et du coup, causer plus ou moins l'accident
de Russell dans les derniers tours. Mais bon, dans tous les cas, j'ai envie de dire, Russell n'était même pas en position de se battre pour un podium. Donc on est en train de reculer chez Mercedes. On a fait tentative pendant les essais. C'était le yo-yo, comme chaque week-end depuis le début de la saison. En essai libre, ça part bien, ça s'effondre, ça revient, en course, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes? Honnêtement, là, on n'y arrive pas. Alors, on sait très bien que c'est un concept qui est nouveau, donc potentiellement, ça peut s'améliorer avec le fil de la saison. Je pense à ce qui va se passer. Ça reste Mercedes, et je pense pas qu'ils vont rester toute la saison à se batailler pour la 7e ou 8e place. Ça n'a pas de sens, et je pense qu'ils vont pouvoir bien améliorer ça. Mais pour le moment, en tout cas, pas de points pour Hamilton, qui a un problème mécanique, mais qui était déjà loin de toute façon, et pas de points pour Russell. À voir pour la suite, on va pas encore donner des conclusions. Ce qui est sûr, c'est que Ferrari a vraiment pris une avance certaine en termes de performance, et peut-être que finalement Hamilton a encore fait le coup de poker en allant chez Ferrari l'année prochaine. Il avait déjà fait avec Mercedes en quittant McLaren pour Mercedes. Ça serait quand même incroyable que le choix d'Hamilton soit encore le bon, alors que de son côté, Alonso, lui, a fait que des mauvais choix concrètement hein, dans sa carrière. C'est pas sa faute, hein, je veux dire, bon, il a tout testé, et à chaque fois il s'est retourné dans les équipes qui n'ont pas réussi à le faire regagner, ou en tout cas pas être champion. Donc pour Mercedes, une course à oublier, vous l'aurez compris. On passe à McLaren qui surnage, survole, qui s'en sort plutôt bien, sachant que la McLaren n'a pas encore les améliorations prévues de ce début de saison, qui avait très très bien marché l'année dernière. Donc s'ils nous font le même coup, on va voir McLaren reprendre le devant, se battre à Ferrari, voire même les dépasser et peut-être aller titiller Red Bull. Donc pour le moment, ils font le mieux avec ce qu'ils ont et on a une quatrième, cinquième place. Piastri, Norris, ça a bien marché entre eux en termes de stratégie. On a vu, ils se sont plus ou moins, ils ont fait en sorte de pas se gêner, comme aussi l'ont fait d'autres équipes. Donc c'est plutôt intéressant de voir que les deux pilotes n'ont pas cherché trop à interférer, alors que Piastri, étant australien, il aurait tellement pu forcer la main à Norris pour pas se laisser passer et finir sur le podium. Mais ça n'a pas été comme ça. Les deux ont joué le jeu et du coup, troisième et quatrième place, c'est la deuxième équipe qui marque le plus de points sur ce Grand Prix. Et si la McLaren, la nouvelle McLaren, en tout cas avec les dernières mises à jour, se retrouve à être encore plus rapide, ça risque d'être encore une belle surprise pour l'écurie anglaise. On passe du coup Aston Martin, donc on va dire la dernière équipe pouvant jouer le top 10 à la régulière hein, actuellement. Stroll qui finit devant Alonso. Alors, il finit devant Alonso parce qu'Alonso prend 20 secondes de pénalité. Mais Stroll, hormis son erreur en Arabie Saoudite, s'est bien rapproché de son coéquipier par rapport à l'année dernière et c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas plus. Et du coup, la pointe de la sixième place pour Aston Martin, ça lui fait 8 points dans la besace. Il aurait pu en avoir plus puisqu'Alonso a dégringolé dans le classement. Mais quoi qu'il en soit, on va dire le boulot. Pour ce grand point, en tout cas, il fait le boulot. Concernant les performances d'Aston Martin, on est dans la continuité des premières courses. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Alors, ils arrivent à se battre un peu plus avec Mercedes par rapport au début de saison, puisqu'ils s'étaient fait doubler la régulière dès la première course à Bahreïn. Mais là, ils sont en train de reprendre un petit peu le dessus. Donc je ne sais pas si c'est eux qui améliorent ou si c'est Mercedes qui s'effondre. J'aurais tendance à dire que c'est Mercedes qui s'effondre puisque l'écart Ferrari est encore plus grand qu'avant. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'amélioration concrètement chez Aston Martin pour le moment. En tout cas, Alonso, moi je le vois sur le départ. En tout cas, on est qu'au début de saison, mais on voit bien qu'il n'a pas la voiture pour remporter des courses. En tout cas, ça va être très compliqué, à moins qu'il y ait une grosse amélioration contre McLaren. À voir, mais Alonso pour moi il est déjà un peu parti. Mais gros problème, est-ce que Mercedes vaut vraiment le coup? À choisir, il vaudrait mieux partir chez Red Bull. On passe ensuite par l'écurie Alpine. Alors Alpine, après une course catastrophique il y a 15 jours, il y a eu pas de quoi se réjouir concrètement, mais un peu mieux quand même. Un peu mieux quand même. Dans le sens où déjà une des deux voitures est partie en Q2.
Il s'agit d'Ocon. Ocon qui s'est encore révélé être meilleur que Gasly, on va dire, sur le week-end. Mais Gasly, il n'a pas été ridicule. Gasly a fait une bonne course aussi. Ocon, il va payer son problème au stand, qui va lui faire perdre du temps. Mais il était devant Gasly dans le Grand Prix. Gasly a fait une bonne course, il a réussi à se battre et finit en plus devant les deux Sauber. Ce qui est quand même une belle performance par rapport à la performance de l'Alpine qui était carrément dernière. Et en plus il prend 5 secondes pour pour couper la ligne des stands. Alors ça c'est assez drôle parce qu'il l'avait déjà fait avant, il le refait à nouveau. Gasly, mon dieu, s'il te plaît, les pilotes français, je sais pas ce que vous avez avec les pénalités, mais à chaque fois, vous vous faites avoir tout le temps, ça devient ridicule en fait, c'est un petit peu dommage. Les 5 secondes de Gasly lui coûtent pas grand chose en soi, hein, puisque Ricardo était déjà devant, mais quand même, c'est un petit peu dommage. Ça entache un petit peu le tableau, je trouve, de ce Grand Prix. En tout cas, les deux voitures ont fini, pas comme il y a 15 jours, et on sent qu'il y a une légère amélioration de la performance. De toute façon, ils ont tellement de retard à rattraper qu'ils vont le rattraper au fur et à mesure, donc ils pourraient remonter dans la hiérarchie assez rapidement. En tout cas, s'ils suivent ce chemin, je pense qu'à bout d'un moment dans la saison, ils peuvent jouer le top 10 régulièrement. Et ça serait quand même une bonne nouvelle par rapport au point où ils en sont actuellement. Mais on est loin du pari d'être champion dans les 5 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'ils ont de retard là-dessus. Et vu le nombre de départs qu'il y a eu entre-temps, ça sera compliqué, vous en doutez. On passe du coup à Williams. Williams, avec une très très belle course de Logan Sargeant qui n'a fait aucune erreur, hein. Vraiment incroyable. Je pense que les caméras même n'ont même pas voulu le filmer tellement qu'il se passait rien. Bon, vous avez compris, Logan Sargeant n'a pas roulé puisqu'il était, il a dû donner son baquet à Albon. Ça soulève une autre question et ça m'a profondément énervé. On a des équipes qui brassent des millions. Centaines de millions maintenant, on a un budget cap, on a tout qui est fait pour que logiquement, même si effectivement on limite les pièces, toutes les équipes puissent, tous les grands prix, s'en sortir de manière correcte. Je veux dire, il n'y a plus d'équipe totalement clodo entre parenthèses. Mais là, comment c'est possible? Un pilote qui se plante en essai libre 1, la voiture ne peut pas être prête pour le grand prix. C'est Sargeant qui récupère, alors que c'est pas lui qui a fait erreur. Alors, il a fait des erreurs en essai, hein. Comme beaucoup de pilotes d'ailleurs, c'était un circuit assez problématique pour les pilotes. Il y a eu pas mal de pilotes qui sont sortis un peu larges, qui ont pris le gravier, bref. Mais bon, ils ont privilégié le pilote qui est plus rapide, ce qui effectivement, en tous les cas, reste Albon. Mais je pense que Logan Sargeant, il a pris un énorme coup à la confiance. C'était pas le moment, vraiment. Alors, est-ce qu'on lui a assuré, bon, ok, dis rien et on teste la saison jusqu'à la fin? Je sais pas, hein, peut-être qu'il peut y avoir ce genre de deal. Bon, on comprend quand même le choix de Williams. Par contre, je ne comprends pas comment c'est possible de ne pas pouvoir réparer une voiture qui a pris moins cher que ce qu'a pris, par exemple, Russell durant le Grand Prix. Certes, il tape des deux côtés, mais quand même, quoi, c'est... Je comprends pas. Alors, concernant la course de la seule Williams rescapée, c'est-à-dire celle d'Albon, eh ben, Albon a perdu les points, tout simplement, parce qu'il n'a pas su augmenter son rythme en pneu dur quand il s'est arrêté en avance par rapport au pilote Haas. Et c'est là où Haas s'est bien amélioré, on va en parler après. C'est qu'en usure de gomme, elle a tellement été améliorée que maintenant ils sont plus à voir par rapport à l'année dernière. Et du coup, Albon qui pouvait potentiellement terminer 10e n'a pas pu résister aux deux As. Et cette résistance qui certes était très belle, hein. En soi on a vu une belle bataille avec Hülkenberg et Magnussen, enfin surtout Magnussen, ne lui a pas servi à grand chose puisqu'il n'a pas réussi à rester devant. Et il serait resté devant Magnussen, il marquait le point à la 10e place. Et du coup, pas de points pour Williams à nouveau. On sent qu'il y a un petit potentiel, que ça se cherche encore. Le rythme n'est pas mauvais en soi. Ils sont toujours largement devant Alpine et Sauber. Mais il va falloir commencer vraiment à faire des bons choix stratégiques, je trouve, dans l'équipe. Alors, ils ont cru que devant de s'arrêter très tôt. J'aurais pas dû, maintenant, parce que le rythme en dur n'était pas forcément fou par rapport au médium. À moins que ce soit dû à l'usure des pneus. On sait jamais. C'est peut-être dû à ça. Du coup, on passe à la suite avec l'écurie Red Bull, Racing Bulls,
qui marque des points avec l'excellent Yuki Tsunoda, qui pour l'instant en ce début de saison fait vraiment tout ce qu'il peut et ce qu'il a, et ça marche plutôt bien. Je trouve que ça a été le meilleur en fait des 5 premières équipes, hein. D'ailleurs on le voit, c'est celui qui finit 7ème devant tout le monde. Alors en termes de rythme, il n'était pas non plus 25 secondes devant Leas et devant les Williams, mais il a été très régulier, pas d'erreur, il marque des points à la 7ème place, bravo à lui. Ricciardo quant à lui, au final ne finit pas si loin, en termes de position oui, mais en termes de temps ne finit pas si loin, mais il reste bien derrière, et ça commence à faire beaucoup trop là pour Ricciardo, qui dit ne pas avoir peur de la pression des mecs du dessus. Et je pense que Red Bull, ils ont tiré la page déjà, ça sera pas Ricciardo l'année prochaine. Tsunoda, ça peut encore être possible. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas des gens âgés. Coucou Lando. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir de toi? Je ne sais pas. Sachant qu'en plus, on va en parler rapidement. En F2, on a eu les deux victoires de Hadjar. Comment il s'appelle, Hadjar? Le français. Alors certes qu'il s'est fait dire qu'il avait perdu sa victoire en première course, mais qui a gagné la seconde, du coup il aurait dû gagner deux fois, qui peut-être pourrait plaire à Red Bull. Ou au minima à l'écurie Racing Bulls pour la place de deuxième pilote. Donc Ricciardo, il a du souci à se faire à ce niveau-là. Donc voilà, Tsunoda au top, Ricciardo, il a pris l'eau. Ouais, c'est un peu nul au niveau des blagues, je suis désolé. On passe à l'équipe suivante, Kick Sauber. Combien de fois ils vont rater leurs arrêts au stand, Sauber? Alors ça, c'est quand même, c'était assez incroyable. Durant la course, le replay de l'arrêt de Bottas. On s'attend tous à ce qu'il se passe un truc. Non? Le replay, il est juste pour dire l'arrêt a été réussi, les gars. C'est incroyable. Vous avez réussi à faire un pit stop. C'est magnifique. C'est incroyable. Enfin, le bon moment de rigolade à 5h30 du matin, c'était assez énorme. Mais bon, encore une fois, problème au stand. Alors, la voiture n'est toujours pas au niveau. Elle est certes en bataille avec les autres, et pas la rue non plus. Mais là, on sentait qu'à la régulière, il n'y avait pas de place pour les points, comme en Arabie Saoudite avec Guan Yu Zhou. Là, ils étaient derrière. Voilà. Ils étaient au niveau des Alpines, pas plus. Et potentiellement, il aurait été au niveau la deuxième Williams. Et ça s'arrête là, donc encore du boulot. Encore du boulot pour Joe et Bottas pour pouvoir penser aux points. Ça fait beaucoup d'équipes qui ont du boulot, finalement, cette saison. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, la stratégie était basique. Tout le monde a... Des fois, la musique derrière, je sais pas pourquoi je mets ça, vraiment. Bon, du coup, course 100 points pour Kicksauber, qui va devoir tenter sa chance à la prochaine course au Japon, en espérant quand même quelques améliorations pour les deux pilotes. On va passer à l'écurie As. Eh ben l'écurie As, comme dit un petit peu en aparté avec Williams, ils ont moins de problèmes de dégradation de pneus, et ça se sent et ça se ressent, et en plus comme la voiture est finalement pas si mal née, eh ben ils se battent pour les points. Quasiment la régulière tout le temps. Alors, il suffirait que Williams ou Alpine remonte, c'est fini, hein, il marque le point évidemment, mais c'est tout pareil finalement. Hülkenberg, Magnussen se sont plus ou moins suivis à distance. Belle bataille avec Williams Albon, on l'a vu. Rien à dire. Ils ont pris les points là où il fallait les prendre. Merci l'abandon d'Alonso. Merci l'abandon de Russell, pardon. Hamilton, de Verstappen, parce que sinon, bon, il n'y avait pas les points. Il n'y a les points pour personne à part Tsunoda, de toute façon, à ce Grand Prix, pour les équipes hors du top 5. Enfin, hors des 5 équipes les plus rapides. Il y a quand même deux classes à peu près de F1 qui se confondent pour le moment. Enfin, j'oublie Red Bull qui fait partie de la classe encore au-dessus, mais en tout cas, ils sont au minimum deux gros paquets à se battre pour les points. Les 5 premiers et les autres. Alors, on pensait peut-être que Hülkenberg allait relaisser passer Magnussen pour la 10ème place, mais je pense que comme Albon était quand même scotché derrière, ça aurait pas été possible. Donc, ils l'ont pas fait. Peut-être, on verra. Ça sera incroyable s'il le fait, Hülkenberg, comme disait Montani. Bon, ça reste des mots, hein, les mots ça s'oublie vite, donc peut-être qu'il ne redonnera jamais l'appareil. Mais bon, pourquoi pas.
Voilà ce que j'avais à dire du coup pour le Grand Prix d'Australie. Alors, pour résumer ce Grand Prix, ouais, Verstappen n'a pas gagné. Il y a eu des batailles, quelques batailles sympas, mais ça reste moyen. Honnêtement, j'ai pas trouvé le Grand Prix exceptionnel. Alors, peut-être que c'était parce que c'était très tôt, du coup, on n'est pas forcément dans la même motivation qu'un Grand Prix classique, même si, comme beaucoup de gens, j'ai connu le Grand Prix d'Australie à 3h55 du matin. Avec un œil de gamin, c'est pas pareil, en tous les cas. C'était pas un Grand Prix à jeter non plus. Mais c'était pas fou. Voilà, c'était pas fou non plus. J'espère que le Grand Prix du Japon sera mieux. Spoiler, il y a peu de chance. Sauf si il se met à pleuvoir ou un temps comme ça. Si vous voulez parier pronostic, ne faites pas confiance. Hein. Ça ne sert à rien. Mais bon, si vous voulez mon avis, je pense que là, Verstappen ne va pas lâcher sa pole et sa victoire au Japon avec une voiture qui va être efficace un peu partout. À voir si Ferrari peut continuer à remonter légèrement. Et pour les autres, ben on verra un peu plus tard. Je pense que je n'ai rien oublié. Et dans tous les cas, vous pouvez le dire en commentaire, bien sûr. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et bonne semaine. Ciao tout le monde.